des visiteurs. Maintenant, c'est les déclarations de députés, député de Bruce Gray on Sound. Merci. Monsieur le Président, je veux rendre hommage à un grand concitoyen, entrepreneur, à un citoyen exemplaire, philanthrope et qui exemplifie le meilleur des valeurs canadiennes. Frank Coleman. Il a vécu vraiment sa vie. Il était infirmier qui n'a jamais perdu le lien à ses racines, qui se retroussait les chances et qui faisait les choses, et qu'il avait des aptitudes pour les gens et beaucoup de sens d'humour, et qui a travaillé à Bruce Deglamar, qui a des bureaux à Terre, aussi bien à l'île Manitoba en arrière. En plus, ça c'est beaucoup d'intérêt. Il était un des 6 investisseurs qui ont lancé les Platers de Owen Sound et qui a beaucoup participé à notre collectivité. En dehors d'être un bon vendeur, il redonnait à la collectivité avec beaucoup d'heures personnelles pour améliorer la vie des gens autour de lui. Il a participé à beaucoup de conseils d'administration, par exemple l'hôpital, de la fondation de l'hôpital aussi bien qu'Assurance Mitchell, et il a payé la campagne de l'IRM et il a ses fils Chris, Jeff et Ted, et je suis allé à beaucoup de séances d'œuvres de bienfaisance où on parlait de lui. Il a fait toute une différence avec sa femme. Et Frank est décédé le 2 novembre. Il a laissé vraiment tout un patrimoine et une meilleure communauté. Sa perte est vraiment quelque chose qui nous fait pleurer, parce qu'il a beaucoup fait dans la collectivité, le sport et autres. Merci, Frank. Et vous avez participé à une vie bien bonne et que tu puisses te reposer en paix. Déclaration de député, la députée de London Fanshawe. J'ai toujours plaisir en tant que député de London Fanshawe de parler au nom de mes concitoyens. Je vais attirer l'attention à un enjeu sérieux à Land en ce qui a trait au service de santé communautaire pour les jeunes et les enfants. Et pendant l'été, j'ai rencontré avec Vanier, Wade, Craigwood, Marymount et le centre de la clinique de famille de London. Ils m'ont dit que depuis 2 ans, qu'il y a eu une augmentation de 23% de services pour les enfants en crise de santé mentale, avec presque un quart des jeunes qui envisagent le suicide ou qui ont essayé. Des milliers d'enfants sont sur la liste d'attente et se trouvent en crise, aux urgences. Il faut faire quelque chose, vu qu'il y a un chaos qu'on a créé dans les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants. À votre demande, la ministre Matthews, ces 11 agences dans notre région ont démontré qu'on a de besoin, mais ils n'ont pas encore eu des réponses au gouvernement si le financement a été approuvé. Suite au sous-financement, les agences disent qu'ils ont des difficultés à rester en service. C'est à la ministre d'agir et je demande à la ministre fasse quelque chose d'augmenter le financement dans le budget libéral. Il faut approuver le financement pour des agences en Ontario qui donnent du soutien direct aux enfants qui ont des besoins de santé mentale. Merci. Déclaration de député, le député d'Eglinton Lawrence. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un champion incroyable qui est décédé dimanche, Salvatore D'Amico. Sam, et comme il était connu, a vécu jusqu'il avait 38 ans d'âge. Il avait son frère Frank et ses sœurs Marie et Laura, et son mère et père Antoine et Catherine l'aimaient beaucoup. C'était une personne spéciale. Il a reçu beaucoup d'amour, mais il a redonné beaucoup à sa famille, à tous ces gens autour de lui. Il était toujours une force positive dans la collectivité, a participé de façon continuelle avec toujours un sourire, et il a toujours partagé son amour avec les autres. Et je pense que Sam et sa famille sont un exemple quand on a quelqu'un, un membre de la famille, qui a des besoins, un peu plus d'aide, et quand on les aide, nous sommes ceux que recevons l'amour et le faveur de retour. Sam, c'était cette personne spéciale.
Et maintenant, il est allé au ciel et on espère qu'il puisse suivre ses Maple Leafs et qu'il puisse encore appuyer leur lutteur. On dit au revoir, Sandy. Sammy, tu vas nous manquer. Beaucoup d'autres déclarations. Le député d'Elgin Middlesex-Lander. Merci, je veux soulever la sensibilisation à une campagne très importante qui a eu l'origine à London. Le Centre d'agression aux femmes a lancé la campagne Shine the Light pendant tout le mois pour être de concertation avec membres du mois de prévention de l'abus offert aux femmes. Et donc, on porte un ruban mauve et je suis très bien que beaucoup de députés le font et on espère qu'on va illuminer l'édifice en mauve pour qu'on puisse démontrer notre appui. Le mauve est un symbole de courage, de survie, d'honneur et représente la lutte pour arrêter l'abus des femmes. On illumine beaucoup d'endroits qui sont en mauve. C'est une campagne. Quand la deuxième année s'éloigne, s'élargit en Ontario, au Canada. Et maintenant, on a adopté cette campagne en Suède et en Australie. Et donc, il faut porter du mauve toute la journée. On espère qu'on pourra, on n'aura plus besoin de cette campagne afin qu'on ait arrêté la violence faite aux femmes. Je veux remercier la directrice exécutive du Centre d'aide aux femmes à London et il faut arrêter la violence faite aux femmes. Merci, déclaration de député, député Timmins Bay James. Merci, Monsieur le Président. Comme tous les députés, nous sommes très occupés. On essaye d'être à cinq endroits en même place. J'étais en comité aujourd'hui. J'ai raté une réunion qui a été intéressante. La mise à jour d'entretien des routes en hiver, je veux dire à mes amis du côté du gouvernement, peut-être j'étais pas là parce que j'étais en comité, cette séance d'information, mais on espère qu'on fasse un bon travail. Il y avait une époque, ça fait pas longtemps, quand on prenait la route dans le nord de l'Ontario, dans le sud de l'Ontario, quand on voulait aller de A à point A à point B avec un météo raisonnable, la route était en bon état. On avait un système, on avait des exploitants publics suite au ministère des Transports qui avait des neigeurs ou des camions et d'autres équipements. Et le ministère des Transports était responsable pour s'assurer que l'équipement était lancé. Malheureusement, les libéraux ont privatisé tout le système. On a un système qui est dirigé par le secteur privé qui a mené à beaucoup de problèmes quant à la condition des autoroutes. On espère que le gouvernement a pris sa leçon en résultat de ces contrats. Ils ont fait des changements, on a eu des améliorations, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Je veux dire, avertir le gouvernement, tous les gens du Nord vont voir quelle est la condition des routes et soyez assurés qu'on va revenir à parler au gouvernement si on voit des conditions répétées de l'année dernière. Merci de tes déclarations, député d'Ajax Pickering. Merci. Je veux marquer novembre, le mois du patrimoine hindou. Le 8 décembre 2016, mon projet de loi de député a reçu la sanction royale pour que nous, unanimement, on reconnaît moi comme le mois du patrimoine hindou. Parce qu'il y a beaucoup d'hindous ici en Ontario, au Canada, qui ont contribué dans des domaines tels que la science, l'éducation, la médecine, le droit, la politique, les sports, etc. Les hindous ont aidé à bâtir l'Ontario dans l'histoire de succès multiculturel et ont essayé à bâtir cette province à être le meilleur endroit où vivre et avoir une famille. J'ai le plaisir d'aller à une célébration du mois du patrimoine hindou à Ajax le 5 novembre et qui a été organisée avec la ville de Ajax et le Sandhu Menamander Centre culturel. Pendant cette célébration, un résident d'Ajax a mené la résidence et on a mis la signature du projet de loi à la 56 avec la signature de la première ministre Wynne. Et c'était très spécial pour les gens hindous au
aussi moi, bien que moi et ma femme, on a bien compris que c'était important, le projet de loi 56, pour les hindous. Et j'ai grand honneur de commémorer le mois de patrimoine hindou à tous les mois. La contribution des hindous canadiens ont fait à l'Ontario est la meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre au service des autres. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations, député, le député de Prince Edward Hastings. Aujourd'hui, mes amis à Belleville ont souhaité au revoir à une légende du hockey. Floyd Crawford est décédé le 11 novembre avec sa famille. Il avait 88 ans. Il était connu comme le capitaine des McFarlanes de Belleville qui ont gagné le titre de hockey senior A national et ont représenté le Canada. Floyd et sa femme Pauline aimaient Belleville. Ils ont élevé leur famille et on est vraiment blessés qu'ils soient là. Ils ont élevé 9 enfants. Trois de leurs fils ont joué pour la Ligue nationale de hockey aux Avalanches de Colorado. Marc a gagné avec la Coupe Stanley. Floyd n'a pas juste élevé ses enfants pour être des concurrents. Et il a aidé à lever des milliers, à aider des milliers de joueurs de hockey en tant qu'entraîneur. Il était difficile, il demandait de l'engagement et de l'effort. Je me souviens que j'étais dans l'équipe de hockey ou à l'autobus et avec lui, Sam Lou était l'entraîneur. Il était critiqué, Floyd, parce qu'il utilisait une deuxième choix, un engin de Moose Factory. Tout le monde disait que c'était très assez lent. Quand Floyd va l'avoir, il va jouer vraiment de façon incroyable. Et il a réussi cinq buts. Et c'était Jonathan Chicha que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde à Belleville, on a perdu une légende du hockey, mais son héritage va continuer son patrimoine. Qu'il reste en paix, Floyd Stone Crawford. Déclaration de député, le député de Durham. Merci, j'ai grand plaisir de prendre la parole pour discuter la défense bien élevée de Amanda Anne Freeland qui est là aujourd'hui avec nous dans la tribune des députés. À la fin août, comme vous savez, il a eu un feu à l'hôpital dans ma circonscription de Durham. Et grâce au travail des équipes d'urgence et du personnel sur place, tous les patients étaient en sécurité pendant cet incendie. C'était une expérience traumatisante pour la collectivité, mais comme j'ai fait allusion, personne n'est décédé dans cet incendie. C'est bien de voir des membres de la collectivité qui se mettent ensemble pour appuyer l'hôpital. Ava, qui a 9 ans, qui est avec nous, a eu une soirée de levée de fonds à une station de service à Fort Perry où elle a levé 146 000 $ pour le nouveau centre à l'hôpital. On a beaucoup d'appui de la collectivité et ça a touché vraiment le personnel de l'hôpital et la collectivité en général. Des bonnes choses ont lieu quand on se rassemble, Monsieur le Président. Et encore une fois, merci à Ever des efforts de lever de fonds et de créer la sensibilisation dans notre collectivité au bon travail de l'hôpital. Continuez à faire un bon travail et vous allez lever beaucoup d'argent. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés, le député de Nipissing. Merci. Le mois dernier, j'ai déposé le projet de loi député 169, la loi sur la revitalisation des secteurs forestiers pour qu'on puisse avoir des édifices à construction en bois jusqu'à 14 étages. C'est pour accommoder deux projets novateurs ici par le Collège George Brown et l'Université de Toronto. Le conseil du canton de Papineau-Cameron de ma circonscription a adopté la résolution. On va aider le nord de l'Ontario si on a avec ce projet de loi pour avoir plus d'emplois dans le nord et pour réduire l'étalement urbain et réduire les coûts de construction dans le sud. Comme on a dit, c'est une proposition gagnante pour tout le monde. Le conseil municipal du canton de
Papineau-Cameron a résolu que nous appuyons le projet de loi du député qui mènerait à des édifices de 14 étages. Il faut noter que le gouvernement fédéral accepte des demandes d'intérêt pour la construction verte pour des gratte-ciels. Et donc, j'étais très content qu'on ait adopté ma proposition. J'aimerais avoir plus de discussions sur le projet de loi 169. Merci à tous les députés. C'est le moment des rapports des comités. Le député de Toronto-Danforth.